Qui sont les mystérieux fils de Dieu Une hypothèse. Il existe quatre types d'êtres qui s'appellent fils de Dieu. Des esprits condamnés qui régissent les nations. Des Israélites repentis qui avaient rebellé contre Yahvé. Le Dieu unique incarné dans l'homme Jésus-Christ. Tous les êtres humains qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Les esprits condamnés qui régissent les nations. Après le grand déluge, des êtres créés, que la Bible appelle fils de Dieu, se sont joints illicitement à des femmes humaines. Les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes, et elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. Le vrai Dieu condamna les fils des dieux en raison de leur mauvaise administration des nations des hommes. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux, jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favoriserez-vous les méchants Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Les Israélites qui ont rebellé contre Yahvé. L'Éternel considère les Israélites comme ses enfants, bien qu'ils se soient rebellés contre lui. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le saint d'Israël. Ils ont fait volte face. Cependant, ils seront un jour rassemblés et on les appellera à nouveau fils de Dieu. Les Israélites seront pareils, de par leur nombre, au sable de la mer. On ne peut pas le mesurer ni le compter. Au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Le Dieu unique incarné dans l'homme Jésus-Christ. Lors de la conception de Jésus au ventre de la Vierge Marie, l'ange Gabriel lui a dit, Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. L'apôtre Jean a expliqué l'incarnation de la façon suivante. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui donne la vie éternelle aux êtres humains. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tous les êtres humains qui mettent leur foi en Jésus-Christ, Jésus a conféré le titre Fils de Dieu sur ceux qui lui obéissent. Ceux qui procurent la paix seront appelés Fils de Dieu. La Bible confère ce titre à ceux qui ont foi en Jésus. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Vous êtes héritiers conformément à la promesse. Ainsi, les êtres humains peuvent parvenir à la résurrection d'entre les morts. Ceux qui seront jugés dignes de prendre part à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges, et ils seront fils de Dieu. Conclusion. Les mystérieux fils de Dieu étaient des esprits qui ont désobéi à Dieu et ont été condamnés. Ces esprits ont été remplacés par les êtres humains qui mettent leur foi dans l'unique Fils de Dieu. Ceux-ci deviennent Fils de Dieu qui régneront sur des nations dans le royaume de Dieu à venir.